poisson. Nous sommes allés à la cité de la mer avec nos poissons. On les a observés bien attentivement et on a essayé de trouver les poissons qui avaient les mêmes formes que les nôtres. Les enfants avaient un référentiel des poissons qu'ils avaient constitués en classe. Et à partir du référentiel, ils devaient voir si certains poissons pouvaient ressembler aux leurs. De retour en classe, nous avons regardé les poissons, les photos, et nous avons reconstruit les poissons. Nous avons fait des poissons de forme géométrique. Il fallait découper Prendre des gabarits, après les tracer et les découper. Quant aux moyennes sections, ils sont allés chercher les formes dont ils avaient besoin pour reproduire le poisson choisi. Donc ils ont lié en fait mathématiques, formes géométriques et observation des poissons de la cité de la mer. Les CE1 ont essayé de faire le maximum de poissons différents avec des triangles et des losanges uniquement. Nous sommes allés à la cité de la mer et nous avons observé les différents animaux du grand aquarium. Nous avons regardé leur forme, puis nous avons dessiné les poissons pour nous en souvenir. En classe, nous avons repris nos dessins et choisi notre poisson préféré. Avec les formes, nous avons reproduit le poisson. Nous avons choisi les bonnes formes, puis les avons découpées. Pour bien respecter la forme du poisson, il a fallu tourner les formes, les poser sur le dessin. Quand le poisson géométrique ressemblait à son modèle, nous l'avons collé. Nous avons fait du mieux possible pour faire des poissons le plus ressemblants. Et voilà tous nos poissons réunis dans leur grand aquarium. Un défi. Estimez le nombre de poissons vivant dans le grand aquarium de la cité de la mer. Ce qui nous a aidés dans nos recherches. On sait qu'il y a environ 1000 poissons. On sait que l'aquarium est visible sur 3 étages. Il contient plusieurs espèces différentes de poissons. On sait que certains poissons vivent en surface, d'autres en mi-profondeur ou en profondeur. Les premières idées proposées pour estimer le nombre de poissons. Un groupe à chaque étage, prendre des photos ou faire une vidéo. Partager la vitre en plusieurs parties est idéal. Il faut connaître la longueur de la vitre. Faire un quadrillage avec du scotch en utilisant du fil à plomb ou un niveau. Pour que le quadrillage soit droit, utilisez du papier calque. Le quadrillage doit nous permettre de savoir combien il y a de poissons sur une première partie de l'aquarium. Ensuite, il faudra multiplier par le nombre de parties faites sur la vitre. Le quadrillage sera élaboré à partir d'une case unité que l'on reportera par calcul sur la surface de la vitre. Mise en œuvre une méthodologie. Comptez les poissons en utilisant la case unité, pochette en plastique transparente. Première technique, comptez 15 secondes. Il faut compter en partant de gauche à droite, en partant du haut, comme un serpent. Deuxième technique, prendre des photos dans la case ou hors case. Troisième technique, faire une vidéo de 30 secondes dans la case et hors case, comme pour les photos. Quatrième technique, prendre la mesure de la fenêtre à chaque étage pour calculer le nombre des cases dans le quadrillage. Voici les résultats du groupe B2. La longueur de l'aquarium faisait 281 cm et la largeur 122 cm. Nous étions sur le deuxième étage.
Nous avons fait 281 moins 60 est égal 221. Moins 60 est égal 161. Moins 60 est égal 101. Moins 60 est égal 41. Pour la largeur de 122 cm, nous avons fait 141 moins 42 est égal 99. Moins 42 est égal 47. Moins 42 est égal 15. Donc, nous avons fait 4 fois 3 est égal 12. Il y a donc 12 cases dans le quadrillage. Groupe C3. La case. Longueur 60 cm. Largeur 42 cm. Nous avons fait 60 plus 60 est égal 120. Donc, 2 pochettes. 60 encore plus 60 est égal 240. Plus encore 2 pochettes. Plus 60 est égal 300. Nous avons trouvé 5 pochettes. 42 plus 42 est égal 2 pochettes. Donc ça fait 82 cm. Plus une pochette est égal 126 cm. Donc nous avons trouvé 3 pochettes. Puis nous avons fait 5 fois 3 est égal 15 pochettes. Nos résultats finaux. Technique 1. Groupe A1. 8 fois 4. 8 fois 42 égale 336. Groupe B2. 12 fois 36 égale 432. Groupe C3. 15 fois 12 égale 180. Technique 2. Prendre une photo à la Cité de la Mer. 8 fois 65 pour le groupe A1 égale 520. Groupe B2. 12 fois 54 égale 648. Le groupe C3, 15 fois 48 égale 720. Dans la technique 1, c'est égal à 1888. C'est plus proche de 2000 que 2000. Et la technique qui se rapproche le plus de 1000, c'est la technique 1. Nous avons trouvé 948. L'aquarium abyssal, à la recherche du volume perdu. Nous nous sommes lancés un défi à partir de nos connaissances mathématiques. Déterminer le volume de l'aquarium abyssal qui a une forme très particulière. Nous avons rencontré plusieurs obstacles. Voici le parcours de notre aventure. Nous sommes 36 élèves de 5e à avoir participé à ce projet. Stéphanie Jobert nous a transmis les plans réels de l'aquarium. Il nous a fallu d'abord apprendre à les déchiffrer pour pouvoir récupérer les informations contenues dans ces documents. Nous avons des plans à l'échelle. Un plan de coupe dans le sens de la hauteur, 3 plans de coupe au niveau des sols, des étages d'où l'aquarium est visible et 3 nomenclatures. Il est maintenant temps de nous organiser dans nos recherches. L'aquarium est formé de 3 prismes droits, donc nous nous sommes répartis en 3 groupes de travail. Au niveau 0, on a une forme particulière qui correspond à la base du prisme droit. Et cette forme est identique sur toute la largeur de l'aquarium. Au niveau 1 et 2, les bases des prismes droits ont cette forme et cette forme. Il faut maintenant mettre en place nos connaissances pour déterminer les 3 volumes. On peut approcher les aires des bases des 3 prismes droits en les considérant comme des triangles et des rectangles. Au niveau 0, on a partagé de cette façon, au niveau 1 de cette façon et au niveau 2 de cette façon. D'après nos recherches, le volume total est 360 millilitres. Nous sommes proches du résultat de la Cité de la Mer étant donné que leur estimation est de 350 millilitres.